De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité. Car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Tous les rois de la terre te rendent grâce, car quand ils entendent les paroles de ta bouche, ils chantent les chemins du Seigneur, quelle est grande la gloire du Seigneur. Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble. De loin, il reconnaît l'orgueilleux. Si je marche au milieu des angoisses, tu me fais vivre. Ta main s'abat sur mes ennemis en colère. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Shalom, shalom à toi, bien-aimé de Dieu. Quelle joie encore de te retrouver encore en ce matin, en ce deuxième jour de notre tridoum de fin d'année. Et nous sommes encore réunis dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors en ce matin encore, je veux prier avec toi. Je veux avec toi rendre grâce à Dieu pour cette année qui tire bientôt à sa fin. Rendre grâce à Dieu pour tout ce que nos mains ont touché. Pour tout ce que nos yeux ont pu voir, que lui-même a voulu. Rendre grâce à Dieu parce qu'encore, en ce deuxième jour, tu te tiens dans la présence de Dieu. Rendre grâce encore à ce Dieu merveilleux, à ce Dieu miséricordieux, à ce Dieu rempli d'amour pour nos vies. Rendre grâce à ce Dieu pour nos familles, pour nos nations, pour nos différentes communautés, pour notre Église. Rendre grâce à Dieu pour nos dirigeants. Lui dis merci pour l'année 2023. Lui dis merci pour tout ce qui a été. Même ce qui n'a pas été, lui dis merci. Lui dis merci pour tous nos biens qui ne sont plus là physiquement devant nous, mais que nous peinons encore à oublier parce que nous n'arrivons pas à passer à autre chose. C'est difficile, mais en ce deuxième jour, nous allons rendre grâce à Dieu. À ce Dieu grand, à ce Dieu puissant, que je veux que ton âme élève en ce matin. Je ne sais pas, si tu connais ce chant, je veux que tu le prennes avec moi. Et en le chantant, que tu dises à Seigneur, c'est mon action de grâce. C'est mon action de grâce pour l'année 2023. C'est mon action de grâce pour ma famille. C'est mon action de grâce pour mon foyer. C'est mon action de grâce pour ma nation, pour mes enfants. Mon action de grâce que je laisse monter vers toi. Un autel d'action de grâce, de par la louange, par l'adoration que je te donne en ce matin. Alors bien-aimé, qu'il est bon, qu'il est doux. Toi et moi, quand des frères et des sœurs s'accordent, s'unissent, se mettent ensemble pour élever leur voix vers le trône de Dieu, pour réjouir ce Dieu puissant. Oui, laisse monter ton action de grâce en ce matin. Laisse monter ton action de grâce en ce deuxième jour de notre tridoum de fin d'année. Laisse parler ton cœur. Laisse parler ton cœur. Si c'est un soupir, laisse tout simplement monter. Si c'est un cri, laisse tout simplement monter. Si ce sont des mots que le Saint-Esprit dépose en ton cœur, laisse tout simplement sortir. Mais sois vrai dans ce que tu adresses à Dieu. Sois élevé.
2023 qui tire à sa fin. Sois élevé, sois magnifié pour tout ce que tu m'as donné en cette année 2023. Sois élevé, sois célébré, Seigneur, pour ma famille, pour mon foyer, pour ma nation, pour ma communauté. Sois élevé, Seigneur, pour les pasteurs de mon église. Sois élevé et adoré, Seigneur, pour nos cardinaux, pour nos évêques, pour le Saint-Père, sois élevé, sois célébré. Seigneur, reçois notre action de grâce comme un doux parfum. Seigneur, reçois notre action de grâce en ce deuxième jour de la fin d'année. Seigneur, vois notre cœur te parler. Vois notre cœur te dire merci. Vois notre cœur être reconnaissant pour le fidèle Dieu que tu as été pour chacun de nous. Seigneur, telle est mon action de grâce pour toi. Action de grâce pour 2023. Merci pour 2023. Merci de m'avoir fait marcher en 2023. Merci de m'avoir fait voir des choses en 2023. De m'avoir fait entendre des choses en 2023. Merci Seigneur. Merci pour ma famille. Merci pour mes enfants. Merci pour mon époux. Merci pour ma nation. Merci pour mon église, Seigneur. Yeshua Amashiach. Yeshua Amashiach. Yeshua Amashiach. Reçois, mon Dieu, le merci, mon action de grâce pour toi. Reçois, mon Dieu, mon merci, mon action de grâce pour ton. Reçois, mon Dieu, mon merci, mon action de grâce pour tes bienfaits. Reçois, mon Dieu, mon merci, mon action de grâce pour tes. Alléluia.
sois adoré. Reçois mon merci, reçois mon action de grâce en ce deuxième jour, presque à la fin d'année. Reçois tout simplement cette reconnaissance qui monte de mon cœur, cette reconnaissance qui vient de mon âme. Alors bien-aimé, c'est dans cet élan-là, cet élan d'amour, cet élan de quiétude, cet élan d'action de grâce que je te souhaite de passer une agréable et sainte journée. Et si tu as la possibilité, je t'invite à participer à la messe et pourquoi pas faire des demandes de messe aussi, d'action de grâce en notre Seigneur pour ta famille et même pour ta nation. Alors, je te souhaite une paix avec notre Seigneur Jésus, rempli d'amour, rempli de joie. Et nous avons ainsi prié dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.